Bonjour. Donc ici, nous allons faire l'exercice numéro 4 sur les sous-programmes. Donc il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet d'afficher le triangle de Pascal suivant. Donc le triangle de Pascal, donc en réalité c'est une matrice dans laquelle les valeurs au-dessus de la diagonale principale sont nulles. Donc toutes les valeurs ici sont nulles. Les autres valeurs où g est inférieur ou égal à i, donc comme dans ce cas-là. Donc, il y a une valeur qu'on doit afficher. Donc, c'est quoi cette valeur-là? En réalité, la valeur qui est affichée à l'intersection de la ligne I et la colonne G, c'est combinaison CIG. Donc, ce que nous avons fait déjà, les combinaisons. Donc, CIG égale à 0 si G supérieur à I et égale à I factoriel sur G factoriel fois I moins G factoriel si G inférieur ou égal à I. Donc, nous avons N lignes et M et K colonnes. Donc, il vous demande la première question d'écrire un programme Pascal qui permet de remplir une matrice comme celle-là et de l'afficher sous forme d'un triangle. Sachez bien que la matrice commence par 0, 0, c'est-à-dire les lignes 0 et la colonne 0. Donc, le Pascal nous permet de faire ça. Donc, premièrement, on va venir ici pour écrire les sous-programmes factoriels et combinaisons. Donc, en réalité, puisqu'on veut calculer combinaison CIJ, et CIJ, ça se base sur factoriel, 3 factoriels calculés, ça on l'a vu déjà. Donc, on a réalisé déjà un programme qui permet de faire ça. Donc, je vais aller directement au programme que nous avons fait, et je vais couper les deux procédures, ou bien les deux fonctions, sous-programme, fonction, fact et combinaison. Maintenant, ici, puisque les deux sous-programmes utilisent uniquement leurs paramètres et les variables locales, donc ici, il ne dépend pas du programme principal actuel. Si je les colle au niveau de l'autre programme principal ici, dans la partie déclaration, je vais les coller ici. Donc, et je compile, normalement, il n'y a aucune erreur. Voilà, vous remarquez qu'il n'y a aucune erreur ici si je compile. Donc, pas de problème. Donc, ça c'est la première chose. Donc, on prépare les sous-programmes. Donc, ici, ils sont déjà préparés. Voilà. Donc, l'autonomie, ça permet de déplacer ou bien de copier ces fonctions d'un programme à un programme sans rien écrire au niveau de la partie déclaration. Deuxième chose, on va faire la partie des variables globales. Donc, on a la variable triangle de Pascal. Donc, c'est une matrice qui commence de 0. On va faire. Nombre de lignes maximal c'est 20 lignes, ça veut dire de 0 jusqu'à. On va faire 21 lignes, de 0 jusqu'à 20. Ça c'est la plage des lignes et ça c'est la plage des colonnes. Of real. Donc on va donner n et k, c'est pas nombre de lignes en réalité. N c'est quoi? C'est nombre de lignes plus 1. Si on fait 5, donc on va avoir 6 lignes, de 0 jusqu'à 5. Donc ici on vient ici, on déclare n et k, c'est la taille. En fait, ce n'est pas la taille de la matrice, c'est le triangle de Pascal, la taille de triangle de Pascal. Donc ici, c'est la taille de triangle de Pascal. Juste ici, le triangle de Pascal, c'est des valeurs entières. Okay? Donc on peut utiliser long end, pas de problème. Et IJ pour parcourir les lignes. On va utiliser intégrale. Voilà. On peut faire ça aussi intégrale, pas de problème. Donc juste pour triangle, on va voir. On va utiliser long int puisque le factoriel et la combinaison sont déclarés dans long int. Très bien. Donc ici dans la partie déclaration, nous avons déclaré quatre variables entières, une matrice entière de 21 lignes et 21 colonnes au maximum, et nous avons déclaré aussi deux sous-programmes, fonction fact et fonction combinaison. On vient ici, on va donner la taille du triangle de Pascal. Donner la taille du triangle de Pascal. Donc, premièrement, on donne n. N. Ici, n, il doit être supérieur ou égal à 3. On va faire le minimum. C'est 4 lignes, ça veut dire supérieur égal à 3 et inférieur égal à 20. En fait, inférieur égal, on va faire oui, 20. Donc, on va faire juste après read n. Donc, si vous vous souvenez, nous avons fait un contrôle déjà comment contrôler les valeurs lues. Donc, en utilisant la boucle repeat, on va répéter ça jusqu'à avoir
la condition vérifiée pour l'entrée. Donc 1 inférieur et égal à 3, pardon, supérieur et égal à 3. Ça, c'est la première condition. And n inférieur et égal à 20. Ça, c'est pour nombre maximal de colonnes. Donc ça, c'est pour n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper cette lecture avec condition. Donc c'est une lecture conditionnée. Donc il n'accepte pas les valeurs, uniquement les valeurs qui sont supérieures ou égales à 3 et strictement inférieures ou bien inférieures ou égales à 20 qui seront acceptées. Donc ici, la même chose, donner la valeur de k. Bien sûr, k. Voilà, donc ici c'est k, la condition ça va se porter sur la valeur de k. Ici c'est k et ici c'est k. Très bien. Donc ça c'est les entrées, donc on peut afficher ici, on peut faire un commentaire, pardon, ici les entrées. Maintenant on va aller à la partie traitement. Donc la partie traitement c'est de construire la matrice triangle de Pascal. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour triangle de Pascal, donc les valeurs qui sont au-dessus de la diagonale principale sont nulles. Et les valeurs qui seront la diagonale principale ou bien inférieure, ce sera une combinaison si IG. Donc, on vient ici, on parcourt pour toutes les valeurs I allant de 0 jusqu'à N faire. Pour toutes les valeurs K, J, pardon, allant de 0 jusqu'à K. Pardon, sous K faire. Donc ici, si J supérieur à I, then, donc triangle IJ égale triangle IJ reçoit 0. Voilà, donc je compile ici, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Sinon, donc j'enlève le point virgule à cause du else. Sinon, triangle IJ voilà, reçoit combinaison. I virgule j. Et voilà. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez très bien. Donc ici, si j supérieur à i, ça va devenir 0. Sinon, ça sera combinaison c'est ij. C'est quoi combinaison c'est ij? Si on va au sous-programme combinaison, à la fonction combinaison, c'est factoriel de n. Donc on a pu directement appeler combinaison, ça va être 0 puisque k est supérieur, etc. etc. Mais c'est pas méchant. Donc on a pu directement ici sans tester. Maintenant, on va faire l'affichage. Donc pour l'affichage, on va donc, je sauvegarde le programme pour l'affichage. Le triangle de Pascal pour n égale, on va afficher la valeur de n et k égale, on va afficher la valeur de k. Deux points égale, il va sauter la ligne. Et ici, on va afficher la valeur de n. Et ici, c'est k. La valeur au niveau de la RAM, au niveau de la variable sauvegardée dans la RAM. On va parcourir for i reçoit 1 to c'est pas 1 c'est 0 pardon to n d'où for g reçoit 0 to k d'où. Donc dans ce cas-là, si j est inférieur ou égal à, et on va afficher, sinon on n'affiche pas, c'est le triangle de Pascal, right triangle IJ. La matrice triangle IJ, on va formater avec 5 chiffres après la virgule. Enfin, ici, il n'y a pas de virgule, pardon, 5 positions. Donc, on fait pas ici, ça sera une erreur si on fait comme ça en Pascal. Par contre, comme ça, il va l'accepter. Donc, une fois qu'on termine la boucle du G, donc c'est right align. C'est sauter, c'est saut de ligne, c'est retour à la ligne, c'est préparer la ligne suivante de la matrice du triangle. La ligne suivante de la matrice. Ça, on l'a fait déjà dans les matrices. Donc, du coup, ici, on va avoir deux instructions à l'intérieur de for i. L'instruction de for jusqu'à point virgule, ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est rightln. Donc, il faut ajouter begin et end point virgule pour for i. On va voir comment ça va être. Donc, ça, c'est les sorties. Donc, la partie sortie. On va l'isoler avec un rightln. Voilà. Et on va faire ici un commentaire. Les sorties. Voilà. Donc j'enregistre, j'exécute. Donc ici, j'ai oublié de faire la virgule.
J'enregistre. Voilà. Donc, on donne 1. Par exemple, on va commencer par 3, 3. Il va nous afficher une matrice de 4 lignes. Voilà. Donc, 4 lignes et 4 colonnes. Donc, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3 et 1. Donc, ici, c'est 3, 3. Donc, si on remarque, si on compare par rapport ici, 3, 3, on va avoir ce triangle-là. Voilà. Ici, vous remarquez, 1, 1. Voilà. 3, 3. Très bien. Donc, je vais faire par exemple 10 lignes et 5 colonnes. On va avoir ce triangle-là. Ici, on n'a pas continué. On peut continuer 10, 10. Donc, que ce soit un triangle, que ce soit toute la valeur 10, 10. Donc, ici, on va prendre le cas de 10, 10. On va voir le triangle qui est affiché au niveau de l'exercice. On va comparer. Alors, c'est ici. Voilà. On va voir, est-ce que c'est vrai? Voilà. 10, 40, 120, 110. Voilà. C'est le triangle de Pascal affiché. Si vous voulez afficher les valeurs à côté de N et J, à côté ici, donc N et J comme ça, pour voir. Donc, on peut le faire après, mais on va voir. Donc, ici, voilà, ça permet de répondre à la question. Donc, si on veut ajouter les valeurs de IJ, comment faire? Donc, on a pu faire l'affichage ici, sur la première ligne. Donc, pour chaque I, on peut afficher ici. Avant de sauter la ligne, right, la valeur de i, pardon, c'est pas ici, c'est à l'intérieur du begin. Right, la valeur de i, ça c'est bien, ça résout une partie du problème. Donc si je donne 10, 10, ça va afficher ici les valeurs de i, 0, 1, 2, 3. Maintenant pour les valeurs de k, il faut les afficher bien avant. Il faut les préparer sur une ligne. Pour j reçoit 0 to k, d'où on va faire write. Ok, k. Ok, on va sauter la ligne. Donc ici, c'est juste, on va faire un test. Alors, ça devient, je suppose, comme ça. Pourquoi? Puisque la première valeur, on saute de 5. On va voir, 10, 10, ça va être à peu près comme ça. Donc ici, j'ai fait une erreur au niveau de l'affichage de i. Donc c'est quoi le 10? C'est pas k, c'est j, pardon. C'est la valeur de j. Voilà, on va voir. Ça devient plus clair. Voilà, ici 0, 1, donc j'ai oublié d'afficher la valeur de 0. Où est-elle la valeur de 0? La première valeur de i. Donc il faut faire println ici, pardon. Après avoir affiché ça, il faut faire un println. Très bien. Et comme ça devient plus clair, je suppose. On va faire 10, 10. Et voilà, c'est plus clair. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas bien aligné, mais quand même. Ici 0, 1, 2. Donc voilà le triangle du Pascal affiché. Affiché pour 10, 10. Très bien. Maintenant, la deuxième question, il vous demande de faire la chose autrement. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire le triangle de Pascal? Donc, les mathématiciens, ils connaissent l'astuce, c'est qu'on peut utiliser une autre technique pour calculer le triangle de Pascal sans utiliser les combinaisons. Ça devient plus rapide au niveau de calcul. En réalité, cette technique, on ne va pas le voir dans cette vidéo, on va laisser après. Donc, en réalité, chaque valeur du triangle de Pascal, si je prends cette valeur-là, donc si 2, 1 égale à combien? Égale à 1 plus 1. Donc, 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, si on vient ici, 1 plus 2, on va trouver ce 3. 2 plus 1, on va trouver ce 3. 1 plus 0, on va trouver ce 1. On vient ici, 1 plus 3, c'est 4. 3 plus 3, c'est 6. 3 plus 1, c'est 4. Donc, c'est une astuce, c'est que si IJ, une autre façon de pour calculer le triangle de Pascal, donc, si IJ, je vais laisser cette formule. Donc, ça, je vais le mettre
Je vais le mettre comme remarque au niveau de la deuxième question. Voilà, égal à combien? Égal à si la ligne précédente, la colonne précédente, donc i-1, j-1, plus si i-1, la ligne précédente et la colonne en cours. Voilà, donc cette valeur plus cette valeur, on va trouver cette valeur. 7 plus 21, on trouve 28. 21 plus 30, 35, on va trouver 56. Et ainsi de suite. À travers ça, on a trouvé. En réalité, ici, 0 plus 0, ça va donner 0 ici. 0, 0 plus 0, ça va donner 0. C'est 0. Donc la règle, elle est toujours correcte, quelle que soit la valeur de i et de j. Donc si ij égale à si i-1, virgule j-1, plus si i-1, virgule j. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser pour calculer le triangle de Pascal. Ça, on va le faire dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, travaillez bien, bon courage et merci bien.